raconte chez les Indiens qu'au commencement du monde, il y a eu le chaos. Et du chaos est né le silence. De ce silence est née une étincelle. On raconte aussi chez les Indiens qu'avant de commencer, il faut se saluer. How? 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 On va le refaire tous ensemble, car pour que les histoires commencent, il faut un vrai how. Alors, on vous salue et vous nous. Vous pouvez même faire le geste. How? How? On raconte donc chez les Indiens qu'au commencement du monde, il y a eu le chaos. Du chaos est né le silence. De ce silence est né une étincelle. Et de cette étincelle est née une boule. Une boule qui a volé, volé, volé dans l'espace infini de l'univers, jusqu'à se couvrir d'eau. Les Indiens racontent que quand cette boule a été entièrement couverte d'eau, elle s'est arrêtée. Et c'est ainsi qu'est née la mer. Écoutez. Les Indiens racontent qu'au commencement du monde, au fond de cette mer, dormaient deux bébés. Un garçon et une fille. Le garçon s'appelait Chaipo. La fille s'appelait Kokomat. Et ils dormaient au fond de cette mer, jusqu'au jour où Chaipo a fait un rêve. Il a rêvé que ses yeux s'ouvraient. Il a rêvé que son corps montait, 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 montait jusqu'en haut de l'eau. Il a rêvé que sa tête sortait de la mer. À la fin de son rêve, il a ouvert les yeux. Il s'est laissé glisser, glisser, glisser jusqu'en haut de la mer. Et il a sorti la tête de l'eau. Et là, ça a fait... Première respiration. Coco, elle était restée au fond de l'eau. Elle a senti que Chaipo avait disparu. Elle a ouvert les yeux à son tour. Elle l'a vu en haut. Elle s'est laissée glisser, 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 et ça a fait... Première respiration pour Coco. Ils avaient la tête hors de l'eau. La mer était toute plate, toute lisse, toute noire. Ils n'y voyaient absolument rien. Il n'y avait qu'eux et la mer. Ils ont sorti leurs mains et se sont amusés à frétiller la surface. Et aussitôt de l'écume blanche est apparue, de la mousse blanche. Ils en ont pris et l'ont lancé. Et à chaque fois que la mousse touchait la mer, une petite fourmi apparaissait. Puis une deuxième, une troisième, des dizaines, des centaines, des milliers de fourmis qui se sont mises à courir sur la surface de la mer. Et avec leurs pattes, elles écartaient les eaux. Tout doucement, puis de plus en plus fort, de plus en plus fort, si bien que Coco et Chaipo se sont sentis descendre, 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 jusqu'à toucher la... Les Indiens racontent que c'est ainsi qu'est née la Terre. Chaipo et Coco n'y voyaient rien. Coco a pris de la mousse, de l'écume, l'a lancé dans le ciel. Et là, un rond blanc est apparu. C'était la lune. Chaipo, il voulait voir encore plus clair. Alors il a pris de la mousse, il a lancé encore plus fort. Et là, un immense rond jaune est apparu. Le soleil. Les Indiens racontent que c'est ainsi que sont nés la lune et le soleil. Et d'ailleurs, depuis ce jour, chez les Indiens, à chaque fois qu'un enfant naît, si c'est une petite fille, on la présente à la lune, car la lune est la mère de toutes les petites filles. Si c'est un garçon, on le présente au soleil, car le soleil est le père de tous les petits garçons. Et c'est comme ça chez les Indiens depuis la nuit des temps. Thank you.
Shaipo et Coco ont commencé à vivre comme deux Indiens. Ils ont appris à marcher, ils ont appris à se nourrir, ils ont appris à parler, et ils ont vu naître les fleurs, les animaux, tout ce qui vit sur Terre. Jusqu'au jour où Shaipo a fait encore un rêve. Et dans son rêve, il voyait Coco s'en aller, partir loin, 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 disparaître. Et lui, il se voyait partir à sa recherche, courir, courir. Il se voyait traverser des terres, des mers, des océans, des continents sans jamais s'arrêter. Et des fois, les rêves deviennent réels. Quand Shaipo s'est réveillé, il n'y avait plus de Coco. Ça ressemblait plus à rien de là où il venait. Même lui, il avait changé, ses doigts avaient allongé, ses jambes étaient un peu plus grandes, il se sentait plus fort. Il avait grandi. Et là où il était, c'était bizarre. Devant lui, il y avait des grands arbres verts qui montaient haut dans le ciel. Il y avait comme des chats sauvages qui sautaient de branche en branche et qui se moquaient de lui. Ça faisait partout. Par terre, il y avait des vers de terre, mais ce n'était pas des vers de terre comme chez lui avant, non, c'était des vers de terre géants qui le regardaient et qui faisaient. Et puis il entendait des bruits comme dire. Et puis là, entre deux arbres, il a vu un sentier. Il est entré dans la forêt. Il a marché, 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 marché. Il est arrivé devant un immense lac, entouré par la forêt. De ce lac, il y avait un homme qui pêchait. En s'approchant de lui, Shaipo s'est rendu compte que l'homme avait la peau noire. Il n'était pas comme lui. Il s'est approché de lui tout doucement et arrivé à sa hauteur. L'homme lui a dit. Ça voulait dire, sois le bienvenu petit homme, dis-moi d'où tu viens. Shaipo, il lui a raconté qu'il avait fait un rêve et qu'il ne savait pas d'où il venait et il ne savait pas ce qu'il faisait. L'homme noir l'a assis à côté de lui et ensemble ils ont pêché. Ils se sont raconté des histoires et il l'a accueilli chez lui dans son village. Et tous les jours il venait à la pêche. Jusqu'au jour où l'homme noir lui a raconté une histoire. Une histoire de son village, une histoire de son pays, une histoire de son continent. Il était une fois un vieux pêcheur. Un vieux pêcheur qui avait trois fils. L'aîné s'appelait Yankadi. C'était le plus costaud, le plus fort. Le second s'appelait Mabolo. Lui, il ne demandait pas trop d'efforts. Moins il en faisait, mieux il se portait. Le troisième, il s'appelait Isma. C'était le petit. Lui, il voulait tout faire comme tout le monde, tout faire comme les grands. Mais à chaque fois, on lui disait, Isma, Isma, va jouer, va jouer. Tous les jours, le vieux pêcheur emmenait ses trois fils sur le lac, pêcher. Car en Afrique, les pêcheurs du village devaient pêcher le poisson, et c'était leur métier, et c'est eux qui distribuaient le poisson à tout le monde. Et à chaque fois, leur père disait, attention mes fils,
Ne vous laissez pas embarquer par le courant qui mène à la forêt, car vous savez, de l'autre côté, on peut ne jamais y revenir. Il faut vous dire que, dans cette forêt qu'il y avait de l'autre côté du lac, il y avait un mystère. Tous ceux qui étaient allés voir n'étaient jamais revenus. Des fois, dans le village, on entendait des bruits qui faisaient comme des... Ou encore des... Oh ! Ou même des... On ne pouvait pas mettre de mots tellement c'était fort comme bruit. Certains pensaient que c'était des éléphants géants qui écrasaient leur sol avec leurs pattes de géants. D'autres imaginaient que c'était des arbres géants qui se déplaçaient avec leurs troncs de géants et qui cognaient la terre. D'autres même racontaient que c'était des hommes géants qui arrachaient les arbres et qui s'en nourrissaient et que les bruits c'était leur craquement de dents sur le tronc. Enfin bref, il fallait pas aller là-bas. Et les jours passaient jusqu'à ce qu'un matin, Yankadi vienne voir son père et lui dise « Père, laisse-moi aller de l'autre côté, je vais aller découvrir le mystère de la forêt, je te promets, je reviendrai. » Le père, fier de son courage, il n'a pas pu dire non. « D'accord, mon fils, le village sera fier de toi et moi aussi, et je te prépare une pirogue, avec tout ce qu'il faut. » Et le soir, la veille de son départ, au village, on a fait une fête. Il a mis 3 jours et 3 nuits pour traverser. Il était fort, il allait vite dans sa pirogue. Quand il est arrivé de l'autre côté, sur la plage, la première chose qu'il a aperçue, c'était un poisson. Un poisson qui était sur le sable, qui gigotait dans tous les sens. Il l'a regardé comme ça et le poisson lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le poisson ? Hé, hey, Yankadi, replonge-moi dans le lac, replonge-moi, j'étouffe. J'ai pas le temps, petit poisson, j'ai pas le temps, moi je dois trouver le mystère de la forêt. Et il a passé son chemin, Yankadi, il est entré dans la forêt, et il a marché. Et là, sur le sentier devant lui, s'est dressé rouge et bleu, un immense serpent, qui lui a parlé aussi. Yankadi. Soulève-moi jusqu'à cette branche là-haut. Je suis si vieux, si fatigué. Aussitôt, il a pris sa lance, il l'a tué. Il a enjambé le serpent, il a continué sur le sentier à marcher. Jusqu'à ce qu'il arrive dans une clairière. Les arbres étaient tout blancs, les troncs étaient blancs, les branches étaient blanches, les feuilles étaient blanches, jamais il avait vu ça. Et au milieu, la terre était rouge comme ça. Et là, entre deux troncs, il a aperçu une jeune fille sortir, avec des cheveux noirs qui touchaient le sol. Et en le fixant dans les yeux, elle s'est approchée de lui en dansant. Thank you.
Yonkadi, ramène-moi dans mon village, s'il te plaît, je me suis perdu. J'ai pas le temps, jeune fille. Je dois trouver le mystère de la forêt. Mais la jeune fille est devenue sévère. Elle a pris de la terre rouge et elle lui a lancé. Et aussitôt, hop, Yonkadi a disparu. Et à sa place, un arbre blanc est apparu. Au même instant, la pirogue, elle a fait demi-tour toute seule. Elle est rentrée au village, comme si elle connaissait le chemin par terre. Quand on l'a vu arriver, ça a été des pleurs, des larmes, des cris par le père, par tous les gens. Encore un de plus qui avait disparu. Et les jours ont passé. Avec le temps, le chagrin s'est éloigné. Et la vie du village a repris son chemin. Jusqu'au jour où Mabolo, celui qui n'aurait pas fait un effort pour rien, il est allé voir son père tout tremblant et dit « Père, père, laisse-moi partir dans la forêt, j'irai retrouver Yonkadi. Sans lui, j'arrive plus à pêcher. » Le père, étonné, fier de son courage, aussitôt a prévenu le village. Il a construit une pirogue et la veille de son départ, on a refait une... Et là, toujours rouge et bleu, est arrivé dans le dresser. Et il lui a dit, le serpent... Apollo, soulève-moi jusqu'à cette branche. Je suis si vieux, si fatigué. Apollo, il a pris sa lance. Et il a passé son chemin. Marcher. Il est arrivé dans la clairière, les mêmes arbres blancs ont étonné, avec les mêmes branches blanches, les feuilles blanches. Et la même jeune fille est sortie d'entre deux troncs en le fixant dans les yeux et en s'approchant de lui. S'il te plaît, je me suis perdu. Mais j'ai pas le temps, jeune fille. Moi, je dois retrouver mon frère Yonkadi, puis je dois retrouver le mystère de la forêt. Et là encore, elle a pris de la terre rouge sang. Et elle l'a poussé. Et ben, Bolo, hop. Il a disparu. Et aussitôt, un arbre blanc est apparu. Et la pirogue est repartie, comme si elle connaissait le chemin par cœur, jusqu'au village. Et là, ça a été des cris, des pleurs, des larmes, pendant des jours et des jours. Mais les jours ont passé. Le chagrin, c'est... éloigné, et la vie du village a continué. Jusqu'à ce qu'un matin, le petit Isma est arrivé devant son père et il lui disait comme ça, « Je suis Isma, l'enfant du papa, et je reviendrai pour vous raconter. Je suis Isma, l'enfant du papa,
papa et je viendrai tout vous raconter. Je suis Ismaël, l'enfant de papa, et je viendrai tout vous raconter. Yélé, oh, yélé, yélé, oh, yélé, mama. Yélé, oh, yélé, yélé, oh, yélé, mama. Et là, le père, fier de son courage, il n'a pas pu faire autrement que construire une petite pirogue et prévenir tout le village, même si c'était le dernier. Et on a fait une fête comme jamais on avait fait une fête. Avec ses petits bras et ses petites forces. Il a mis 7 jours et 7 nuits pour traverser le monde. Mais il y est arrivé. Une fois de l'autre côté, la première chose qu'il a aperçue, c'était le... Et là, aussitôt, il l'a pris dans ses mains tout doucement. Et il l'a rejeté dans le lac. Il est entré dans la forêt. Il a marché. 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 Marcher, 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 marcher. Et il a rencontré le serpent. Il a écouté sa demande et, sans hésiter, il s'est penché. Il l'a pris dans ses mains. Et tout doucement, il l'a remis dans l'arbre. Marcher, 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 marcher. Il est arrivé dans la clairière. La jeune fille est sortie aussi. Elle s'est approchée de lui et qu'elle lui a demandé. Mais il est où ton village? Dis-moi comment on fait et je t'y emmènerai si tu veux. Esma, il faut que tu coupes tous les troncs. Et avec les troncs, on fera un radeau et le radeau, il nous emmènera dans mon village. Esma, sans hésiter, il a pris sa machette. Il a pris le premier tronc et... poussière blanche du tronc, est apparu un homme. Un vieux du village qui avait disparu depuis 150, 200, 300 ans peut-être. Il avait une barbe blanche. Isma, il a pris sa machette, il a coupé le deuxième tronc. Là, c'était un oncle. Un oncle dont il avait entendu parler avec son collier. Et là, il a pris sa machette, Isma. Et dans la foulée, il a coupé tous les troncs. Il était dernier. Il était dernier. C'est vrai. Ben oui, c'était Yann Kadi et Maboul. Mais là, ça a été des embrassades. Ils se sont tout raconté, ce qui s'était passé. Combien de temps ils étaient restés, certains, dans les troncs d'arbres, comme ça, coincés pendant des années et des siècles. Ils sont repartis tous ensemble sur la plage. Et là... il y avait une pirogue pour chaque homme. À côté des pirogues, il y avait un radeau en bois blanc.
Isma et la jeune fille sont montés sur le radeau. Tous ensemble, ils ont pris le large du lac. Et voilà qu'arrivé au milieu du lac, le radeau a pris une autre direction. C'est là que les anciens ont compris qu'Isma allait devenir le génie du lac, le génie de la forêt. Et vous savez, en Afrique, il y a des génies. Mais les génies n'appartiennent pas au monde visible. Ils disparaissent. Et on raconte que chaque lieu a son génie et chaque génie est là pour nous protéger ceux qui sont sur terre, ceux qui sont visibles. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de l'histoire, mais c'était le vieil homme noir, le vieux pêcheur qui racontait cette histoire à Tchaïpo. Vous vous souvenez ça? Et Tchaïpo, en écoutant l'histoire, il s'est endormi. Il est retombé au fond de la mer? Il n'est pas retombé au fond de la mer, mais il s'est endormi en écoutant l'histoire du vieux pêcheur. Et pendant qu'il dormait, pendant que l'histoire se racontait, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il se voyait encore partir, traverser des terres, des mers, des océans et des continents, sans jamais s'arrêter. Et le vieil homme noir l'a laissé dormir, comme s'il savait ce qui se passait. Il est reparti dans son village. Et Tchaïpo a fini son rêve. Et Tchaïpo s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il n'y avait plus de pêcheurs, il n'y avait plus d'hommes noirs, il n'y avait plus de lac, il n'y avait plus de forêt. Même lui, il n'était plus comme avant. Ses doigts avaient encore grandi, ses pieds avaient grandi, ses jambes avaient grandi. Et il se sentait encore plus fort, presque un jeune homme. Et devant lui, il n'y avait que du sable. Du sable partout. Et juste au-dessus, le soleil. Et là, derrière une petite montagne de sable, il a aperçu une ville blanche. Il a marché. Marché. Jusqu'à la ville blanche. Il est entré dans la première ruelle. Il n'y avait personne. C'était comme désertique. La deuxième ruelle, la troisième ruelle. Et là, à l'angle d'une rue, il a aperçu une femme. Une femme qui avait le visage caché par un drap. Mais il savait que c'était une femme.
s'approcher d'elle. Et elle lui a ouvert les bras et lui a dit « Salam alaikum !»« Alaikum salam !» Chez les Arabes, pour dire bonjour, dans beaucoup de pays, on dit « Salam alaikum ». Et quand on vous dit « Salam alaikum », on répond « Malaikum salam ». Bonjour, sois le bienvenu, merci, soyons ensemble. Alors si vous voulez, on va le chanter ensemble. Salam alaikum, alaikum salam. 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 La femme, elle a invité Tchaïpo à venir chez elle. Elle l'a présenté à son mari, ils l'ont reçu. Ils lui ont donné de quoi boire, de quoi manger. Ils lui ont installé dans une chambre, en lui disant « Tu pourras rester ici le temps que tu voudras. » Et Tchaïpo a appris à vivre chez eux. Il a appris l'arabe, même à l'écrire. Il a appris à compter, car les Arabes savaient compter, chose que lui ne savait pas encore. Et les jours ont passé comme ça, jusqu'à ce qu'un soir, la femme lui raconte une histoire. Elle l'avait assise là, à côté d'elle, et elle lui a raconté une histoire de sa ville, de son pays, de son continent à elle. Il était une fois une famille qui avait tout connu. Ils avaient eu 12 fils. Un peu plus tard, un 13e. Celui-là, le dernier, il l'avait appelé Prudence. Prudence. Cette famille avait tout connu. Ils avaient connu la richesse, la gloire, les amis qui viennent vous voir, de quoi manger, de quoi faire la fête, en abondance toujours. Et puis du jour au lendemain, parce que une histoire était arrivée, ils avaient connu la misère, la haine, les amis qui s'enfuient, les ennemis qui se moquent d'eux. C'est tellement la misère que les 12 fils, les uns après les autres, ils sont partis chercher fortune ailleurs. À la fin, il restait plus que Prudence. Lui, il est resté avec ses parents. Il a appris à lire, à compter, à parler. Il a grandi avec eux. Et puis un jour, il en a eu marre, Prudence. Il a dit à ses parents, vous savez, vous pourrez pleurer toute votre vie, avoir des souvenirs, des regrets, tout ça, mais jamais ça ne vous enrichira. Vous resterez pauvre. Alors partons d'ici. Prudence, il a pris sa mère par la main. Il a pris son père par la main. Et il les a emmenés. Ils ont traversé des terres, des mers, des océans, des continents, sans jamais s'arrêter. Si, quand même, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés dans une ville blanche. Dans cette ville, partout où ils allaient, on les invitait à manger, on les invitait à boire, on les invitait à dormir. Les gens étaient souriants, aimables. Prudence s'est dit, si les gens dans cette ville sont si gentils, sont si bons, c'est que le maître de la ville, lui aussi, doit être bon. Alors il a eu une idée. Il a caché son père et sa mère. Il s'est rendu au palais du maître. Il a demandé à le voir. On l'a reçu. Maître, n'auriez-vous pas besoin d'un homme et d'une femme pour vous servir? J'ai deux êtres qui sont ce que j'ai de plus cher au monde et je peux vous les confier si vous voulez bien. En échange, j'aimerais un habit qui me fasse prince et un cheval. Et je reviendrai, je vous promets, vous rendre cela, vous ne le regretterez jamais. Le maître, un peu étonné de la proposition de Prudence, a demandé à voir cet homme et cette femme qu'il lui proposait. Prudence est allé chercher son père et sa mère. Il les a amenés devant le maître. Quand le maître les a vus, tout de suite il a eu confiance. Il s'est senti bien. Et il a accepté. Il a fait demander un habit, il a fait demander un cheval. Prudence s'est habillé, a salué son père, sa mère, le maître. Il est monté sur son cheval et il est parti. Au galop, a traversé des terres et des mers, des océans et des continents sans jamais. Oh, si, il s'est arrêté une fois. Il s'est arrêté dans une ville sans, une ville qui sentait une odeur de mort. Il entend
entendez les gens qui passaient leur temps à se haïr, à se moquer, à se jalouser, à se taper dessus, à se battre. D'ailleurs, quand il est arrivé, certains enfants sont venus le voir. Reste pas là, homme, reste pas là. Ici, c'est la ville de la mort. 20 ans, tu n'as rien à faire là. Prudence, un peu curieux, est entré dans la ville tout de même. Il est allé jusqu'au palais du maître. Et là, devant la porte, il a vu 12 pics, les uns à côté des autres. Et sur chaque pic, il y avait une tête coupée. La dernière encore, elle coulissait de sang. Quel est ce jeu ? A demandé Prudence. Homme, dans ce palais vit une princesse. Elle ne veut se marier avec personne. Et son père, le maître de la ville, désolé, la supplie chaque jour qu'elle se marie. Alors elle a inventé un jeu. À chaque fois qu'un prétendant vient pour se marier avec elle, elle lui pose des devinettes. Et le premier qui répond à côté a la tête tranchée. Prudence, sur son cheval, lui dit, à moi de jouer. Et aussitôt, la princesse est sortie de son balcon sur la tour. Elle était magnifique, même si elle avait l'air sévère, triste. Prudence était sur son cheval. La princesse a sorti ses petites énigmes et elle a commencé à lui poser. Je vais vous les poser, les énigmes. Je vous rassure, si vous ne répondez pas, nous ne vous couperons pas la tête. Première énigme. Elle entre toujours la première et sort toujours la dernière. Qui est-ce? Le puits, les amis. Elle entre toujours la première et sort toujours la dernière. Qui est-ce? La princesse. Elle entre toujours la première et sort toujours la dernière. Prudence, il a répondu la clé. Et oui, la clé, elle entre toujours la première. Et elle sort toujours là. Deuxième devinette. Elle est toujours mouillée et pourtant, elle est toujours à l'abri. Qui est-ce? Oui, la lampe. On le trouve beaucoup. J'en dis pas plus. Il a toujours debout. Il a toujours debout. Un homme. Vaut mieux réfléchir. Un poteau. C'est pas loin. Pas loin. Un poteau dans la forêt, on dirait un. Un arbre. Oui, mais un arbre, on peut ramasser par terre. Un bâton. Un bâton. Peu difficile. Il vit si je ne le dis pas. Il meurt si je le dis. Là, la princesse. Hein? Oui, un secret. Il vit. Si je ne le dis pas, il vit. Si jamais je le dis, il meurt. Le secret. Alors la princesse... Ah oui, une dernière petite... Qui devras-tu voir si tu veux te voir? Le miroir. La princesse, voyant que Prudence répond à toutes les réponses, elle a choisi les plus difficiles. Écoutez bien celle-ci. Elle commence la nuit, elle finit le matin. Elle est dans l'étang et dans le jardin. Elle passe deux fois dans l'année. Qui est-ce? La lune. Le soleil. L'éclipse. Je vous l'ai dit. Elle commence la nuit, elle finit le matin. Elle est dans l'étang et dans le jardin. Elle passe deux fois dans l'année. Les maîtresses ont le droit de vous. Alors, on va vous donner une petite indice. C'est une lettre de l'alphabet. Ah, la lettre M. Elle commence la nuit, N. Elle finit le matin. Elle est dans l'étang. Elle est dans le jardin. Elle passe deux fois dans l'année. Qui est-ce? Non, on l'a dit. La lettre N. N. Peu difficile encore. Je suis. Écoutez bien. Je suis une forêt. Aux 100 arbres. Sur chaque arbre, j'ai 12 branches. Sur chaque branche, j'ai 4 rameaux. Et sur chaque rameau, j'ai 7 feuilles blanches. Un chapitre.
Un millefeuille. C'est une jolie réponse, mais c'est pas ça. Un boulot. Un boulot. Je suis une forêt aux 100 arbres. 100 arbres. Et les prisonniers qui sont dans l'année? Ah, on approche. Alors, combien? 100 arbres sur chaque arbre. 12 branches sur chaque branche. 4 rameaux sur chaque rameau. 7 feuilles. Les saisons. L'année? Plus que l'année. 100 arbres. Un siècle? Oui, un siècle. Les 100 arbres sont les 100 années. Les 12 branches sont les 12 mois, les 4 rameaux sont les 4 semaines, et les 7 feuilles sont les 7 jours. 7 jours. Et là, la princesse, il lui restait plus qu'une seule devinette. Quelle est la montagne qui s'élève le plus haut dans le ciel? Le mont Blanc. Le mont Everest. Le mont Everest. Le mont Everest. Ah ah. En géographie, on dit que c'est l'Everest, mais là, c'est pas de la géographie. Tu dirais quoi, toi? Moi, c'est l'Himalaya. L'Himalaya. C'est l'Everest, l'Himalaya. La montagne qui s'élève le plus haut dans le ciel. Le soleil. Le soleil. Souvenez-vous, les 12 autres, ils ont pas répondu, ils ont tous eu la tête coupée. Seule Prudence avait la réponse. Il a répondu, la méditation, princesse, la prière. Celle qui élève mon esprit jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Certains diront Dieu, certains diront autre chose. Et là, la princesse, elle a lâché ses carnets. Elle est descendue de sa tour. Elle est sortie du palais. Elle est arrivée devant Prudence et elle lui a donné sa main. Princesse, avant de prendre ta main, j'ai aussi une devinette à te poser. Si tu y réponds, je te donnerai ma tête. Si tu n'y réponds pas, je prendrai ta main. Comment se fait-il que moi qui suis devant toi, je sois assis sur le dos de mon père et je sois caché sous le sein de ma mère? Un bébé. Essayez de vous rappeler l'histoire de Prudence. Comment se fait-il que moi qui suis devant toi, je sois assis sur le dos de mon père et je sois caché sous le sein de ma mère? Ah, les vêtements. La princesse, elle a réfléchi, elle n'a pas trouvé. Et elle a fini par donner sa main. Et Prudence lui a dit, vois-tu, princesse, je suis sur le dos de mon père car j'ai échangé ce cheval contre mon père. Et je suis caché sous le sein de ma mère car j'ai échangé cet habit contre ma mère. Et la princesse, elle a donné sa main. Et là, aussitôt, le maître de la ville est sorti. On a célébré un mariage. Et cette ville qui était noire, où tout le monde se jalousait, se tapait dessus, s'injuriait, aussitôt est redevenue presque blanche. Et les gens ont commencé à se sourire, à danser, à chanter. Et ça a été une fête pendant 7 jours. Et 7 nuits. Au bout de 7 jours et 7 nuits, Prudence, il a repris la main de sa princesse, il l'a installée sur son cheval, et ensemble, ils ont traversé les terres et les mers, les océans et les continents jusqu'à la ville blanche. Quand il est arrivé devant le maître, il a redonné son cheval et son habit. Mais le maître n'a pas voulu lui rendre son père et sa mère. Il a voulu les garder pour lui, car ils étaient parfaits. Et il a proposé à Prudence de lui offrir un royaume. Prudence, il a accepté. Il s'est installé avec sa princesse. Et l'histoire raconte que nous sommes tous des enfants de Prudence et de cette princesse. Et il paraît même, on raconte ça dans ce pays-là, que nous avons tous un royaume, quelque part sur la terre ou quelque part dans l'univers, et que c'est à nous de le chercher. Et l'histoire de Prudence se termine là. Mais, Chaipo, il écoutait l'histoire de la femme qu'il me racontait. Il s'est endormi, il s'est endormi. Il a encore et il a de nouveau fait un rêve. Il s'est retrouvé en Che che yo
Ne vous appuyez pas au mur, bon sang. Thibaut. C'est pas lourd, ça n'écrasera personne. Quand Jaipo s'est réveillé, il n'y avait plus de désert, il n'y avait plus de ville blanche, il n'y avait plus de royaume. Il n'y avait plus de femme qui lui racontait cette histoire. Il était en bas d'une montagne. Une montagne immense comme jamais on en avait vu. Et lui, il était presque vieux. Sa peau avait plein de traits. Il n'a pas fait rare. Il a trouvé ça amusant. Il a trouvé ça. Et puis, sur la montagne, il y avait un chemin qui montait. Alors évidemment, il a marché. Marché, jusqu'en haut de la montagne. Et en haut de la montagne, très étrange, il y avait presque sur la pointe une petite maison. Et devant cette petite maison, sur le seuil de la porte, il y avait un vieil homme, un sage, qui méditait. Jaipo s'est approché de lui, il l'a regardé, et l'homme il bougeait pas, il restait comme ça. Une heure est passée, 2 heures est passée, 3 heures est passée, et il bougeait toujours pas. Il respirait. Et puis, quand le soleil a commencé à aller se coucher, le vieux sage a enfin ouvert l'œil. Et tout naturellement, dans sa langue de vieux sage, il a dit bonjour à Jaipo. Il l'a invité à rentrer chez lui, il lui a offert du thé, il lui a offert du riz, il lui a offert à dormir avec lui le soir. Et Jaipo est resté. Le lendemain, toute la journée, c'était le silence total. Pendant une semaine, ils ne se sont pas dit un mot. Pendant un mois, ils ne se sont pas dit un mot. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ce vieux sage avait fait le vœu de ne plus... Au bout de 8 mois, un matin, il a quand même ouvert la bouche. Et vous savez pourquoi? Jaipo, assieds-toi là, j'ai une histoire à te raconter. Non, Jaipo, il s'est assis. Et le vieux sage lui a raconté son histoire. Écoute bien, Jaipo. Cette histoire, c'est une histoire que racontent les sages depuis toujours. C'est une petite histoire, mais elle nous pose une question. Une question à laquelle bien des gens ne savent pas répondre. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Shunda. Shunda, il vivait dans son petit village, dans sa petite maison, avec sa petite maman. Et ça se passait très bien pour lui. Jusqu'au jour où sa maman lui a dit, Shunda, tu as l'âge d'aller vivre avec le sage qui vit tout seul dans la montagne. Shunda, il aurait préféré rester au village, mais à cette époque-là, dans ce village-là, il fallait obéir. Il s'est retrouvé comme ça, à aller vivre avec le vieux sage, dans la maison, sur la montagne. Et là, tous les jours, il fallait aller chercher le bois pour faire le chauffage, faire cuire le riz, nettoyer la maison. Et le reste du temps, il fallait rester assis, en silence, à côté du vieux sage. Et comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, jusqu'à ce qu'un jour, le vieux sage dise à Shunda, aujourd'hui, Shunda, c'est la fête au village, tu vas y aller, tu vas prendre ce panier, tu vas le remplir de gâteaux, comme le veut la tradition du village, tu reviendras avec les gâteaux et on les partagera. Shunda, il était aux anges, enfin, retourner au village, manger des gâteaux, revoir les amis. Il a pris le panier, il est parti en courant. Quand il est arrivé au village, c'était la fête. Il a dit bonjour à tout le monde, et avec son panier, il passait devant les gens comme ça. Et puis les gens, ils remplissaient de gâteaux parce qu'on savait que c'était pour le sage. Alors, tout le monde donnait des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, puis le panier, oh. Une fois plein, Shunda l'a pris, et il a vite décidé de remonter chez le vieux sage. Et là, en route, il y avait l'odeur des gâteaux qui... Ah, comme les épices tout à l'heure, là, hein. Ça lui montait dans le nez, ça. Et là, il s'est dit, Shunda, si avec le maître on partage, ça fera moitié chacun. Si je les mange maintenant ou si je les mange en arrivant,
C'est la même chose. Bah lui, il s'est dit que c'était la même chose. Alors il a posé le panier, il a soulevé le torchon, il a compté les gâteaux. 1, 2, 3, 4. Il y en avait 32. 32, il a mangé chacun, ça fera 16 chacun. Il en a pris 16 et il les a mangés. Ta titine titine ta titine titine ta. Et tu disais de bonheur. Ta titine titine ta titine titine ta. Ta titine titine ta titine titine ta. Et il a repris les torchons, il a repris son panier et puis il a continué son chemin. Et puis j'ai dit 16 gâteaux, 16 gâteaux. Si on partage moitié chacun, ça fera 8 chacun. Si je les mange maintenant, si je les mange en arrière. C'est pareil. Il a posé le panier, il a soulevé le torchon, il en a pris 8. Ta titine titine ta titine titine ta. Ta titine titine ta titine titine ta. Ta titine titine ta titine titine ta. Et il a repris le panier, il a continué son chemin, puis je disais en marchant 8 gâteaux, si on partage, ça fera 4 chacun, si je les mange maintenant en arrivant. C'est pareil. Il a posé le panier, il a trouvé le torchon, il en a pris 4. Ta titine titine ta titine titine ta. Ta titine titine ta titine titine ta. Ta titine titine ta titine titine ta. Il a repris le panier, il a repris son chemin. Et je disais 4 gâteaux, la montagne qui monte, ça fera 2 chacun si je les mange maintenant, si je les mange en arrivant. C'est la même chose. Là, comme le panier était léger, il s'est même pas arrêté. Il a soulevé le torchon, il a pris les 2 gâteaux. Et... Ta titine, titine, ta titine, titine, ta. Ta titine, titine, ta titine, titine, ta. Ta titine, titine, ta titine, titine, ta. 2 gâteaux, si on partage, ça fera 1 chacun. Si je mange maintenant en arrivant, c'est la même chose. Il a soulevé le torchon, il a pris un gâteau et tout en marchant. Ta titine, titine, ta titine, titine, ta. Un gâteau, la maison approchée, c'est un gâteau, si on partage, ça fera la moitié chacun. Ah ben la moitié chacun, si je mange maintenant en arrivant, c'est la même. Et là, il s'est arrêté, il a pris le gâteau, et il l'a coupé. Il a remis la moitié dans le panier. Il a posé le panier devant le maître sage. Il a soulevé le torchon, maître. Sunda, ils t'ont quand même pas donné que la moitié d'un gâteau. Là, tu fais du reste. Oh, maître, est-ce que j'ai fait du reste? Au début, il y en avait 32. Et puis, en chemin, je me suis dit, si on partage, ça fera 16 chacun. Alors, j'ai mangé 16. Et puis après, je me suis dit, 16, ça fera. Il lui a dit toute la vérité, car devant le maître, Sunda ne pouvait pas mentir. Et le maître s'est mis en colère. Comment ça? Tu as osé me faire ça à moi? Moi, ton maître, qui t'apprends tout ce que je sais? Et devant cette colère, Sunda a pris peur. Il a pris ses 2 jambes à son cou et il est redescendu la montagne et il est rentré chez sa mère. Et depuis cette histoire, chez les sages, on se demande toujours qui était le plus sage des deux. Est-ce que c'était l'enfant Sunda? Ou est-ce que c'était le vieux maître sage qui s'est mis en colère? Eh bien ça, chacun, il y en a qui disent un, il y en a qui disent ça. Et l'histoire de Sunda, elle est terminée. Et puis pendant ce temps-là, Chaipo, qui était vieux avec ses, qui écoutait ses petites corps, il s'est... endormi. Et pendant son sommeil, il a de nouveau fait un rêve. Et ça, c'était le dernier rêve qu'il ait fait de son histoire. Che che yo.
Quand Chaibou s'est réveillé, il était encore plus vieux sur la montagne. Et il s'est dit, il a ouvert les yeux. Le pays où il était tout vert. Il y avait des champs. Et dans les champs, il y avait des fleurs. Il y avait des vaches. Des moutons. Et puis il y avait des arbres. Les arbres, c'était des... Il y avait tous des pommes. Vous avez deviné où il était? Il était pas loin d'ici, dans la campagne. On a grandi. Et puis, en regardant ce paysage-là, il y a un homme qui est passé là et qui lui a dit « Alors, mon petit vieux, on cherche la pomme d'or, la pomme qui mène au bonheur, qui donne la vie éternelle. » Chaipo, il a regardé et il a dit « Bon, c'est quoi cette pomme ?» Et l'homme lui a raconté que dans tous ces pommiers qu'il y a chez nous, dans un seul pommier, sous une seule feuille, il y a une pomme en or. Et que celui qui la trouve, qui la mange, s'il peut la manger, si elle se mange, il devient immortel. Alors là, Chaipo, ça lui a plu cette histoire. Aussitôt, il est monté dans le premier pommier, et sous chaque feuille, il a regardé toutes les pommes. Il n'a pas trouvé. Il en a fait un deuxième pommier, un troisième, toute la journée, il a cherché partout. Pourtant, il était vieux, hein. Mais il y arrivait à monter. Et le soir, quand il est arrivé, il s'est reposé sous un arbre. Et là, il allait s'endormir quand il a entendu une voix derrière lui qui lui dit « Eh, Chaipo !» Il s'est retourné. Et c'était un grand être noir, avec un capuchon sur la tête qui cachait son visage. Et dans la main droite, il avait une faux, une immense faux. Et ce grand personnage, vous avez deviné qui c'était? C'était... Ça, je suis la mort, Chaipo, je viens te chercher. Chaipo a eu tellement peur qu'il est parti en courant comme jamais il avait couru. Et la mort, elle court après, mais Chaipo, je ne sais pas pourquoi, il avait mangé je ne sais pas quoi, il avait une énergie, ce qui fait qu'elle n'a pas pu le rattraper. Et quand le jour s'est levé, il n'avait pas trouvé la pomme, mais peut-être que c'est les pommes qui disaient ça. Et le jour s'est relevé, il était dans chaque pommier chercher la pomme d'or. Et quand le soir est arrivé, trop fatigué, il s'est encore assis contre un tronc d'arbre. Et là encore, derrière lui, il a entendu une voix qui lui a dit « Je suis... » Elle a pris son grand manteau noir, elle l'a enveloppé et elle l'a emmené dans son pays. Chaipo, il arrive au pays de la mort, ça, il trouvait ça incroyable, tout était mort. Même les cailloux, ils étaient morts. Alors il a pris le premier chemin qu'il a trouvé. Il s'est mis à marcher. Et là, il a aperçu une femme qui avançait dans le sens inverse, qui s'approchait de lui. Ils se sont croisés, ils se sont regardés dans les yeux, et ils se sont reconnus. C'était sa sœur, c'était Cocoma. Oh ! Alors là, ils se sont racontés tout ce qu'ils avaient fait, tous les voyages, les rêves qu'ils avaient parcourus. Et Cocoma, après avoir écouté son frère Chaipo, elle a ouvert la main. Elle a ouvert comme ça. Et à l'intérieur de sa paume,
Elle avait la pomme d'or. Ensemble, ils l'ont partagée. Et vous savez quoi? S'ils sont toujours au pays des morts, eh bien, une chose est sûre, tous les deux, ils dansent encore. C'est l'histoire de Chaiko et l'histoire de Coco. C'est terminé.